On va commencer. Il faut toujours commencer avant d'être branché. Alors, bonsoir à tous. Pour commencer, je voudrais vous lire le trésor de la langue française. Accent déchirant, sincère, accent passionné, accent plaintif, accent vrai, accent douloureux, accent ému, accent pathétique, accent désespéré, accent irrité, accent ironique, accent de conviction, accent de vérité, accent de sincérité, accent de colère, accent de désespoir, accent de détresse, accent de pitié, accent de triomphe, accent de franchise, accent de passion. La deuxième chose par laquelle je voudrais commencer, c'est un petit extrait d'un auteur très célèbre qui s'appelle Roland Barthes. L'accent du Sud-Ouest a formé les modèles d'intonation qui ont marqué ma première enfance. Cet accent gascon, au sens large, se distingue pour moi de l'autre accent méridional, celui du Midi méditerranéen. Celui-là, dans la France d'aujourd'hui, a quelque chose de triomphant. Tout un folklore cinématographique, Rému, Fernandel, publicitaire, les huiles, les citrons, touristique, le soutien. L'accent du Sud-Ouest, peut-être plus lourd, moins chantant, n'a pas ses lettres de modernité. Il n'a pour s'illustrer que les interviews de rugbymen. Moi-même, je n'ai pas d'accent. De mon enfance, il me reste cependant un méridionalisme. Je dis socialisme et non socialisme. Qui sait, cela fait peut-être deux socialismes. Alors cette phrase de Barthes, surprenante évidemment parce que c'est un monsieur qui s'y connaît en matière de langue, m'a toujours fait sursauter. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui n'aurait pas d'accent? Quelle drôle d'idée. Aucun linguiste n'accepterait ça, évidemment, ça n'existe pas. Et quand j'ai vu le sujet qui nous était proposé pour cette année, celui de la passion, j'ai tout de suite pensé que j'avais la chance de connaître quelqu'un qui, au lieu de collectionner les boîtes à camembert, les timbres-postes ou d'autres choses, collectionne les accents, qu'il a même la passion des accents, et c'est André Mainvielle. André Mainvielle est un musicien, un chanteur, j'estime qu'il est même ce qu'on appelle globalement et généralement un poète, et un poète qui a la particularité d'avoir cette passion des accents et de savoir justement mettre l'accent de la passion sur cette passion des accents. Et c'est pour ça que je suis heureux ce soir de m'entretenir avec lui. Ce que André Mainvielle fait me paraît en effet pas seulement de l'ordre de la musique, pas seulement de l'ordre de la création, mais aussi pour nous tous, d'apporter quelque chose à notre réflexion sur ce que c'est qu'un accent, sur la façon dont on parle, ce que les linguistes appellent la parlure, c'est-à-dire la façon dont cette parole qui permet de réaliser pour nous tous la langue, le langage dont on est tous doués, dans une langue particulière, c'est aussi la marque du singulier, la marque du lieu, du local, la marque d'une personnalité. On reconnaît les gens à leur accent. J'ai toujours été choqué, ayant passé la moitié de ma vie, ou presque, dans un endroit où les gens, Paris, sont persuadés qu'ils n'ont pas d'accent. J'ai toujours été surpris, justement, que, par exemple, on reproche une absence d'accent à la télévision ou à la radio, et qu'il faut effectivement repérer. Comme si le journaliste parlant parisien n'avait pas d'accent. Alors qu'évidemment, non seulement il en a un, mais qu'il est très repérable. Et André Mainvielle a fait de cette poursuite des accents une véritable passion qu'il conduit sous la forme d'un projet maintenant ancien sur lequel j'aimerais m'entretenir avec lui, qui s'appelle « Suivez l'accent ». L'accent, on va en parler, c'est à la fois un phénomène de langue et un phénomène de musique. Il y a un accent musical et André aime aussi le rappeler, ça se dit aussi en peinture. Et justement, en peinture, ça a un sens tout à fait précis. Et pour ce faire, je lui ai proposé ce soir qu'on débatte, qu'on discute de cette question des accents, et puis qu'il nous fasse connaître un peu son travail, et surtout qu'il nous le fasse entendre. Et c'est précisément en l'entendant, en poursuivant cette collection d'accents, que nous allons explorer cette piste des accents, mettre l'accent sur les accents. Alors, trois grandes dimensions pour ceux qui ne connaissent pas André Mainvielle. La première, c'est effectivement son expérience musicale très ancienne, à la fois avec le jazz, avec Bernard Lubat et Uzest, et l'expérience collective que représente aussi son travail à Uzest Musical. Et puis, trois projets dont on va parler ce soir. Le projet Suivez l'accent, qui l'a conduit un peu partout et qui lui permet justement de pratiquer ce qu'on appelle des résidences d'artistes
autour de l'accent, qui d'ailleurs accompagne de travail avec des enfants, le travail des artistes, des débats avec des linguistes, des philosophes, des gens justement dont c'est le métier de réfléchir sur la langue et sur ce qu'elle produit. D'autre part, des valises, on va parler de tes valises, tu vas nous présenter tes valises à accent, et dans lesquelles les accents jouent, et puis des boîtes qui vont vous rappeler quelque chose. Vous avez tous vu des boîtes comme ça quand vous étiez dans les fêtes foraines et que vous aviez envie d'entendre les vaches en retournant l'accent. Mais il arrive justement à nous faire entendre sa collection, et il va nous présenter cette collection. Alors la première chose que je voudrais te demander pour présenter ton travail, c'est l'origine de ce goût pour les accents. C'est-à-dire, au fond, dans ton travail, puisque tu as pratiqué un type particulier d'acte ou de geste musical qui est le scat, y a tout de suite quelque chose qui va aux limites de la langue. Quelque chose qui va, dans le dernier disque d'André Mainviel, il y a un saint sur la couverture, un saint très beau avec une bougie à la main, et c'est syncope. Et ce syncope, qui évidemment a la tête de l'emploi, et ce syncope, c'est celui dont musicalement tu es parti. Ouais. Comment on passe de la syncope à l'accent ? Ça marche. Alors, bonjour, bonsoir. Comment je suis parti sur cette idée d'accent ? Alors, comment on passe de la syncope à l'accent ? En pratique, d'abord. Parce qu'il faut savoir que si j'ai créé ce syncope, c'est parce que on discutait avec mon ami bassiste Fernand Nino Ferrer et on n'était pas d'accord sur comment il fallait jouer le rythme. Donc l'accent, c'est du rhizome. Hein. C'est du rhizome. Vous savez, en anglais, on dit rhythm pour dire rythme. Rhythm, rhythm. Si on le dit plusieurs fois, ça fait rhizome. Donc rhizome, c'est tout ce qui est dessous, en fait. Qui est pas... C'est un arbre, voilà. Entre deux arbres, il y a du rhizome en pagaille, quoi. Donc quand on revendique une identité, on est comme un arbre, quoi. Et quand on travaille le rhizome, on est rhizomable d'abord déjà, et on est à l'écoute des autres rhizomes. Et donc on pourrait dire qu'entre l'accent et la syncope, il y a du rhizome, quoi. Il faut travailler son rhizome, être rhizomable. Alors j'ai commencé cette histoire en me déterritorialisant déjà j'avais vu le travail de Gilles Deleuze sur l'abécédaire. Et lorsque j'ai passé 17 ans au Zest Musical avec la compagnie Luba, et puis lorsque je me suis déterritorialisé, donc, la compagnie Lubat, lorsque je me suis déterritorialisé à Toulouse, j'ai dit, il faut que je continue. En fait, je me suis aperçu après que je n'étais pas parti, mais que je continuais quelque chose. Et ce que je continuais, c'était... ce qui m'avait beaucoup, je dis dans mon dernier opus, ça s'appelle Facteur d'accent, j'ai fait HEC, hautes études communales. Et donc ce qui m'intéressait à Uzès, c'était la commune. Et donc Félix Castan disait très bien que la première identité politique, c'est la commune, où on apprend à partager. Et donc j'ai essayé d'étendre la commune à quelque chose de communal. Qu'est-ce qu'on a en commun, quoi ? Et donc, au départ, l'idée de capter l'accent, c'était l'idée d'habiter le temps, et non plus ni la ville ni la campagne. Et quand j'étais enfant, mes parents tenaient une écluse à Montèche. Montèche, j'étais tout petit, le paradis l'était, voilà, dans la chanson. Et donc, je voyais passer les bateaux, et je me disais, un jour, je monterai sur un bateau, puis j'irai... au bout de ce chemin d'eau là, que je ne savais pas où ça allait. Après, j'ai appris que ça faisait 7 Bordeaux pour le canal du Midi, magnifique, canal du Midi formidable, et après le canal latéral. Et donc, mon idée, c'était d'habiter sur un bateau entre deux eaux, enfin entre deux rives, pardon, et puis de glaner, faire comme Agnès Varda, de glaner de 7 à Bordeaux les variations de l'accent, parce que quand on monte à Paris, qu'on est un taxi, qu'on demande, je sais pas, on me dit, vous êtes de Marseille. Je dis, non, pas du tout, de l'autre côté. Donc les gens, ils savent pas qu'il y a des variations. Donc mon idée, d'abord, c'était ça, c'était de capter les variations, toutes les variations de l'accent, et de les associer à la musique. Parce que pour moi, c'était la musique. Voilà.
ce qui me guidait mes pas, c'était la musique. Alors l'accent, évidemment, faisait partie de cette quête, quoi. C'était de parce que évidemment sans accent pas de musique, hein. Ou alors si vous avez des musiques planantes ou même pas, je pense que non, il y a un accent, il y a partout, il y a des accents. Donc au début j'ai pensé vraiment que c'était un projet, je pensais désuet, vous savez, je me disais l'accent ça n'existe plus, enfin c'est l'accent, monsieur qui parle comme ça avec le roué de R comme ça, ça n'existe plus, ça disparaît, mais d'autres apparaissent aujourd'hui. Et donc c'était l'histoire pour moi, c'était de faire à la fois un travail sur la parole, mais aussi la syntaxe, d'où syncope, hein. La syntaxe de façon... là, j'ai ramené un livre d'un monsieur qui fait parler les cagoles à Marseille. Vous savez, les cagoles, c'est ces filles qui sont très belles, mais qui ont l'accent comme ça de Marseille. On ne s'attend pas avec une fille très belle qui a un accent de Marseille. Donc, il fait parler ces gens. Et elles ont effectivement une façon de parler, de s'exprimer, une syntaxe particulière, quoi. Alors, tout ça, ça me passionnait. Et en même temps, je me suis dit aussi, ça me permettra, moi qui suis artiste, qui vais jouer, parce que les gens, à côté de chez moi, me disaient, ah voilà, ça y est, c'est fait. Les gens me disaient, ah mais vous devez voir du pays. Alors moi, je leur disais, écoutez, quand on va jouer quelque part, vous savez, souvent on fait avion, train, je sais pas, on va à l'hôtel, on va à la salle de spectacle, on revient au restaurant, on voit rien du tout. Et là, je me suis dit, l'âge avançant, je me suis dit, maintenant, il faut que tu prennes du temps, quand tu vas jouer quelque part, de capter tout autour de là où tu travailles. Et alors là, vous voyez le premier texte que je l'ai nommé projet-sujet. Attention, c'est très important, c'est projet-sujet. C'est les deux à la fois. Donc, j'ai commencé par les territoires, évidemment, dans chaque territoire. Mais moi, c'est la deuxième partie, ou la troisième partie qui me plaît. Une archéologie du corps écrit, oral, un alphabet du corps social, asocial, bisocial, adresse ou sans adresse, une lettre sonore, être sonore, accent du transport, comme en musique d'Orient ou d'Occident, Mozart ou Bach avaient le leur, Umkamsul un autre et Monk le sien. Un thème, une improvisation, sédimentation de passage, voie de passage et d'ancrage, être ou ne pas être du coin, clé de sol et clé des champs. Voilà. Nul n'est censé ignorer la Loire. Ça, c'est pour parler de la France. C'est la grande maxime de André Mainviel, nul n'est censé ignorer la Loire, qui est quand même une belle trouvaille. Merci. Merci. Et c'est important parce que justement, ce que tu montres, le mot que tu viens de prononcer, la clé de sol. Ce que tu montres aussi, c'est que l'accent a trop vite été rapporté directement au sol, c'est-à-dire rapporté à un territoire dans lequel on l'enferme, on le bloque, quoi. Alors que l'accent a une particularité, surtout dans certaines langues, c'est qu'il distingue mille autres appartenances ou communautés que simplement le lieu, que simplement le territoire. Il y a des accents de société, c'est-à-dire des accents sociaux. En Angleterre, quand quelqu'un ouvre la bouche, vous savez à peu près où il a fait ses études. C'est comme ça. La langue anglaise transporte la société avec elle. Dans d'autres pays, comme en Amérique latine, par exemple, on sait à peu près dans quel quartier vous vivez. Les Argentins reconnaissent à Buenos Aires très facilement qui habite dans quel quartier et la façon dont ils parlent. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu appelles le communal, justement, le commun. Tu es allé enregistrer les gens un par un ou par groupe, c'est-à-dire à titre individuel ou justement parce qu'ils représentaient quelque chose. Alors, un par un, mais au début, je me suis dit, si je ne trouve pas un guide vite, à chaque fois que je me déplaçais, je pense que j'aurais pu devenir alcoolique ou un truc comme ça, parce qu'évidemment, quand on va collecter, on boit un coup et tout ça, puis ça dure, et on en boit deux, trois, quatre. Et là, je dis, c'est pas possible. Donc, il faut que je trouve... J'ai commencé par la Bretagne, en plus. Donc, voilà. Et donc, la Bretagne, j'ai dit, là j'étais averti, j'ai dit, si je trouve pas un guide, je vais finir mal. Donc, à chaque fois que je me déplace, évidemment, je demande sur place aux gens qui me font venir s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait m'amener voir un monsieur, quelqu'un qui représente pour lui quelque chose sur le coin, quoi. Alors, suivez l'accent. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement comment ça fonctionne et les résidences que tu as eues, la façon dont le projet s'est déroulé? Alors, au début, je suis allé... Alors, suivez l'accent. Je voulais quand même vous montrer... Je ne sais pas comment on fait pour enlever ces trucs-là. Ah, voilà.
Excusez-moi. Il faut quand même que je dise une chose. On le voit là, oui, on le voit. Ami de mots. Alors ça, c'est la première chose que j'ai écrite sur parler de syncope et accent. Je me suis rendu compte, moi qui suis alors passionné avant de le savoir, hein, à savoir que quand je faisais de la musique au début, j'ai fait des ateliers pour des éducateurs ici à Pau, et je me suis rendu compte du gouffre, enfin je parle de gouffre, quoi, qui existait sur l'approche du rythme, quoi. Et j'avais des ateliers, j'essayais de leur faire passer l'histoire de la syncope. Je comprenais que pour eux, c'était une abstraction totale, quoi. Le corps ne suivait pas. Il comprenait ce que je disais, mais il n'arrivait pas à le faire. Donc, je me suis mis à dire, bon, il faut que je mette des mots sur la syncope, sur le temps, le contre-temps, je ne sais quoi. Alors, moi, je suis un fan des voix pygmées, des chants pygmées AK. Et alors, les premiers chants que j'ai essayé de leur faire chanter, c'est justement des chants qui, pour moi, représentaient les chants pygmées. Le yodel. Et comme j'arrivais à faire rien, le lendemain matin, je suis arrivé avec un petit texte. Et j'ai dit, voilà, vous allez mettre l'accent sur le deuxième phonème. Par exemple, là, vous voyez, au lieu de faire A, ici, on ferait Ami de... Alors, j'ai dit, non, c'est pas du tout ça. On met l'accent sur le deuxième phonème et ça donne ceci. Je vous le fais. Ami de mop, ami maudit, dis mot, dis moi. Ami maudit, ami de mop, ami mot. Si t'as mis, dis mot, mi, ta petit ta, petit ta, petit ta. Mi, dis mot dans mes mots, ami de mes mots, petit ta de mots, mop. Ami de mop, mi, dis mop, moi, mi, di, mi, mop, mi, mo, mi, di, mi, tap, tap, petit tap, petit tap. Mi, di, mot dans mes mots, mi, mes mots, petit tas de mots, mot, petit tas de mots, mot. Et c'est comme ça, c'est ainsi que j'ai réussi à faire passer la syncope, l'accent. Parce que sur cette histoire d'accent et de jazz, je pourrais vous faire une petite démonstration à partir de, par exemple, Au clair de la lune. Si je tape les premiers temps, normalement, ici, en Occident, on fait Au clair de la lune, mon ami Pierrot, d'accord, on est tous d'accord, donne-moi ta plume pour écrire un mot. Mais si vous battez, comme au fond dans le jazz, le deuxième temps, parce que là, je fais 1, 2, 3, 4, et si je fais 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire je tape sur les temps flèbes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous voyez, c'est ami de mots, pareil. Donc vous tapez la même chose. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, tout pète-moi ta plume pour écrire un mot. Tout de suite, ça swing, quoi. Donc le secret, il est là. Le secret, il est de jouer les temps faibles. Donc quand on parle, là on est parti sur la musique, hein, mais pour moi, voilà, pour déborder, pour jouer avec la langue, et il faut savoir tutoyer le temps faible, quoi. Alors, quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur le rythme dont tu parles, c'était un linguiste, j'ai eu la chance de l'avoir comme professeur, qui s'appelait Henri Méchonique, et qui s'était intéressé à ton travail, justement. C'était quelqu'un qui rappelait que la Bible a été écrite dans une langue où on ne note pas la ponctuation, où on note pas la fin des vers, et où on note justement simplement les accents rythmiques dans lesquels on va construire le texte de la Bible en hébreu. Et en particulier ces fameux théamim dont parlait Méchonique, qui étaient justement ces notations rythmiques, qui n'étaient pas métriques, c'est pas la quantité qu'on notait, et qui était justement lié à des accentuations qui permettaient tout simplement de changer le sens des mots, le sens des phrases en fonction de ça. Alors la question que je me posais, c'est est-ce que dans l'accent qui t'intéresse, et on va en entendre, tu vas nous montrer un peu ce que sont justement les boîtes pour entendre, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est la singularité, c'est-à-dire la particularité, ce qu'on appelle la parlure, quoi, le fait que quelqu'un ne parle pas comme un autre, on peut dire les mots. Je pensais tout à l'heure, ce que tu disais pour les Marseillais, à Plus belle la vie,
la façon dont les gens parlent dans Plus belle la vie. Tu as l'impression qu'ils ont été transportés en TGV. Ils sont dans un quartier qui n'existe pas, dans une langue qui n'existe pas. D'ailleurs, ils ne parlent pas justement cette langue marseillaise. Quoi. Ils ne sont pas là. Et où c'est au contraire ce qui marque l'appartenance au communal, à cette commune, cette communauté. Et d'où, par exemple, le fait que dans ce que tu fais, aller collecter, écouter, il y a quelque chose aussi de l'archive de notre voix, c'est-à-dire du souvenir de ceux qui, les anciens trésistes de Béziers ou chanteurs hollandais dans l'Ariège, ils ont tous des accents justement, hein, puisque un de ces livres qui s'appelle Gueule de voix est précisément consacré à cette exploration de le long du Midi et des Pyrénées de ça. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est le singulier, ce qui marque l'accent? Par exemple, le fait qu'on reconnaît tout de suite quelqu'un au téléphone, avant même qu'il ait commencé à parler, à cet accent qui le singularise, qui le distingue des autres. Alors, je ne sais pas si c'est ça. Je fais un direct avec toi, à te répondre. Moi, j'irai sur ma dernière valise, parce qu'on voulait exposer des choses. Quand on se déplaçait, on faisait une petite installation. Au début, on faisait avec des grilles, tout ça, puis on trouvait que c'était pas assez... Donc, une amie m'a dit, pourquoi tu ne mets pas ça dans des valises? Donc, on est allé chez Emmaüs et on a jeté plein de valises qui rentraient les unes dans les autres. Et dans les valises, on a mis des propositions à écouter. Et alors, justement, pour moi, l'accent, c'est un outil de traduction, en fait. C'est un traducteur. Parce que le sens... Moi aussi, regardez dans le dictionnaire Larousse, accent est emprunté à la variante ausent au XIIIe siècle, au latin accentus, intonation, servant à traduire, tiens, le grec prosodie. Donc accentus dérive de accinere, lui-même issu de a et de canere, de ad qui vient de a et de canere qui veut dire chanter, donc à chanter, quoi. Et le truc le plus ouvert du monde, c'est le travail qu'a fait Olivier Messiaen, par exemple. Sur les oiseaux. C'est-à-dire qu'il a pris... Alors, je sais, je me souviens d'un jour où j'ai parlé des accents. Il y avait un monsieur avec un béret dans la salle. À la fin, il était effondré parce qu'il ne comprenait plus rien. Mais sauf que l'accent... Bon, moi, j'ai travaillé avec un ornithologue qui me disait que les oiseaux, en fonction qu'ils soient... Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas comment en fonction qu'il soit dans le nord ou dans le... Il ne chante pas pareil. Un moineau, parce qu'il prend le substrat, je ne sais pas par quelle manière, quoi. Donc, pour moi, la quintessence de l'accent, le premier truc, c'est... Je peux vous en faire écouter. Là, c'est l'Alouette des champs. C'est une traduction donc d'Olivier Messiaen sur les oiseaux. Alors... etc. Donc il a passé beaucoup de temps à écouter avec sa compagne les oiseaux. Et alors, je ne sais pas si j'ai le temps, hein, mais
y a un monsieur qui m'a offert donc Cagole Blues, et c'est une cagole de Marseille, je vais essayer de le dire avec l'accent de Marseille, qui parle des oiseaux. Alors elle dit comme ça, « Moi, c'est les oiseaux que j'aime, j'aime les oiseaux. Comment ils s'appellent, je m'en fiche. Je ne veux pas étudier les oiseaux, juste les regarder. C'est des morceaux de hasard qui viennent du ciel. L'oiseau, il te surprend toujours. Il arrive impromptuitement et il repart sans explication. Il t'a laissé un message, mais tu ne le comprends pas parce que tu n'es qu'une machine à penser. Tu as perdu ou tu as oublié les choses qui n'ont pas de nom. J'aime la musique, mais je préfère le silence parce que dans ma cité, il y a trop de bruit. Les gens, ils font du bruit pour plus entendre le bruit des voisins. Alors, tu as les oreilles qui souffrent. Justement, les oiseaux, ils nagent dans le silence comme les poissons dans l'eau. Les oiseaux, c'est comme des virgules du silence. Quand tu n'entends plus rien, tu commences à les entendre. J'aime les oiseaux, c'est comme ça. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je crois que ça vient de quand j'étais petite. Pour pas entendre mes parents qui se criaient dessus, je regardais le canari. C'est beau, non ? Alors, est-ce que tu peux justement nous donner un exemple des boîtes ? C'est-à-dire, comment fonctionnent les boîtes ? Alors, ces petites boîtes, c'est une idée qu'on a eue avec ma compagne Marina, qui est illustratrice. Elles sont illustrées, ce sont nos boîtes, le sel qu'on a mangé, c'est du sel de Guérande ou de... Oui ? Non ? De Camargue. C'est du sel de Camargue. Et alors les gens, quand ils prennent, on a une rose des vents, ça c'est le nord. Et alors les gens, quand ils les prennent, ils font comme ça. Et on dit, ah non, non, surtout pas, parce qu'à l'intérieur, il y a un petit baf, un petit... Et dedans, on a mis, effectivement, des accents. Et alors là, par exemple, ce que je vais vous faire écouter, c'est un peu de nord, par exemple. Ils ont dit, ben voilà, il n'y a plus de charbon dans les mines, il va falloir penser... faire autre chose. Quelqu'un qui est né dans les mines, je trouve qu'il meurt dans les mines. Quoi. C'était obligatoire qu'il fallait aller comme minier. Alors évidemment, c'est des petits montages que j'ai faits, ou c'est du répétitif. Voilà. Mais vous pouvez les trouver sur Internet. Si vous tapez boîte accent, avec une boîte accent, vous trouvez vous trouvez toutes ces boîtes les unes après les autres. Alors, tant qu'à faire du Nord, et ça je voulais t'en parler tout à l'heure, on a oublié d'en parler, mais la langue du Nord, de Jules Mousseron, la langue des mineurs, pour traduire leur façon de parler, les gens sont obligés de trafiquer le français comme à La Réunion. Voilà. À La Réunion, c'est pareil, avec le créole, on est obligé. Alors, par exemple, je vous fais un petit extrait de La Réunion. J'espère que je vais trouver le bon parce que... Voilà. Ça, c'est pas du tout l'accent. Est-ce que je dois m'exprimer en créole ou bien micro français? Ah non, en créole, en créole. Question existentielle. Bon, en créole. En créole, oui. Bon, l'accent à La Réunion, chez les jeunes, mon mec, mais là, on n'y remarque pas trop que c'est à peu près les jeunes, que ce soit dans le sud, dans le nord, on a à peu près le même accent. Mais... Chez les anciens, les gens de 60-70, les anciens n'avaient différents accents à La Réunion. Parce que dans certains, ils prononçaient le R, O. Hein, le canard, c'était le caricano, c'était caricano. De Noapatis, M. Dubourg, néanmoins, caricano, t'es gaillo. Alors, ça, c'est un témoignage que j'ai pris, par exemple, dans un atelier de musique. Voilà. Et alors, à chaque fois qu'il faisait des ateliers de musique avec des jeunes amateurs, il y avait ce monsieur qui était un ancien et qui me racontait un peu comment l'accent avait eu des variations, surtout depuis qu'il y avait la télévision, le téléphone et tout ça. L'accent se perdait un peu chez eux aussi, comme le nôtre, se perd, mais par exemple, un accent comme celui-là, qui est sur une autre boîte accent, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Eh bien, tant pis. Celui-là, il ne marche plus. Peut-être qu'il est cassé. Ça, c'est ma matrice où j'ai des accents, y compris une vieille chamane de la Tierra del Fuego que je peux retrouver dans les valises tout à l'heure. Mais peut-être que tu... Non, justement, je voulais que tu nous parles de ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu es allé chercher aussi des accents partout. Un des aspects de ton travail qui est frappant et qui est très émouvant aussi, c'est que c'est universel.
C'est-à-dire c'est qu'il n'y a absolument pas de localité ou de spécificité. Les accents sont absolument universels. C'est une donnée universelle. Oui, je me souviens d'un atelier que j'ai fait avec des mamas d'Afrique du Nord. Et au fur et à mesure que je parlais de ce travail, elles me regardaient avec elles écarquillaient les yeux, elles s'approchaient presque. Elles ne pensaient pas qu'en France, ils avaient les mêmes problèmes qu'en Algérie. Parce qu'elles me racontaient que si on venait du Sahara, et que, voilà, on était classifiés, on était mis dans une catégorie. D'ailleurs, il y a un monsieur qui a écrit un livre il n'y a pas très longtemps, c'est un linguiste de Rennes, un sociolinguiste, qui s'appelle la glottophobie et les discriminations par la façon de parler. Quoi. Si vous voulez faire un métier de médiatique, ou comme ça, il vaut mieux que vous perdiez votre accent. Ou si vous voulez être professeur de français, par exemple. André Benedetto dit ça très bien dans la troisième valise. Peut-être que je peux faire écouter ouais. Un peu André Benedetto. Alors André Benedetto, c'est un auteur de théâtre que j'ai connu, qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qui était directeur du théâtre des Carmes à Avignon. Alors, je fais écouter Bourdieu ou l'autre nous avons les... Bourdieu ça commence. Alors, ça commence par Pierre Bourdieu, puisqu'on est en Béarn. J'interviewe André Benedetto, auteur de théâtre, sur ce que dit Pierre Bourdieu dans La sociologie est un sport de combat. D'accord ? Donc, je lui fais écouter. Ça ne marche pas. Non, c'est pas, j'ai pas appuyé sur. J'aurais voulu te faire écouter Bourdieu qui en parle. Et c'est vachement intéressant ce que dit Bourdieu, d'où il parle. Une autre chose, c'est que quand on vient d'un petit milieu et d'un pays dominé, on a forcément de la honte culturelle. Moi, j'avais la honte de mon accent que j'avais corrigé, etc. Je passais par l'école normale. Ça. Quand je descendais dans mon pays, ça, Pierre Carr va très bien comprendre, quand j'arrivais à Dax, que j'entendais l'accent, ça me faisait horreur. Vraiment horreur. Et encore aujourd'hui, j'entends certains accents à la radio, ça me fait physiquement horreur. Alors, avant, c'est l'accent que j'avais. J'entends dernièrement à la radio, j'entends Etilina, qui est un écrivain chiracien, qui parle avec l'accent de Brive. J'ai envie de le tuer. Voilà, ça me fait horreur. Bon, pas seulement parce qu'il dit. Ça, c'est une forme voilà, de violence symbolique. C'est un truc. Une autre fois, j'ai entendu à Toulouse, c'était un chanteur d'avant-garde, un type qui faisait de la poésie d'avant-garde, avec l'accent de Toulouse. C'était terrible, terrible, terrible. Oh, Toulouse bon, c'était absolument terrible. Bon, moi, je ne devrais pas. Hein, c'est mon boulot de comprendre ça. C'est mon propre accent. Or, je ressens ça comme affreux. Affreux. C'est pas possible de faire de la poésie d'avant-garde avec cet accent. Voilà. Voilà. Alors, je vais me faire tuer par les Occitans. Mais enfin, ça fait rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça quoi, Moi, je pense que Bourdieu, il le porte sur son visage, son accent. Mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est un rejet, ne comprends pas, c'est que c'est une vieille honte qui ressort, qui perdure, et une impossibilité d'assumer des origines. Quoi. C'est-à-dire, c'est, quelque part, il est encore victime de ça. De cette... Alors, le poète d'avant-garde dont on parle aurait dû peut-être être là avec nous ce soir parce qu'on l'avait invité, c'est Serge Peille, oui, qui oui. est effectivement un très oui. grand poète et improvisateur, et qui est même... un peu chaman et qui vient d'avoir le prix Apollinaire de la poésie et qui est justement très reconnu aujourd'hui comme étant un des poètes de langue française les plus importants avec l'accent. Une question que quand j'entendais la phrase de Bourdieu où il s'interroge et puis la violence quoi, de sa réponse, je repensais à ce que tu racontes très souvent et Méchonic avait l'habitude de dire que le poétique, un accent poétique, ça n'existe pas. C'est-à-dire que rien ne distingue le langage poétique du langage en général. Soit le langage poétique, c'est du langage en général, et dans ce cas-là, tout le langage est poétique, pas d'exception. Voilà. Et il y a deux choses qu'il n'aimait pas, c'est qu'on dise que quelque chose est poétique, et d'autre part qu'on dise que quelque chose est musical. C'est musical, ça n'a rien à voir avec le langage. Le langage n'est pas musical, la musique est musicale, le langage est langagier. Et ce sont deux choses différentes. Et là, tu racontes souvent cette phrase absolument terrible, et je te disais, moi, que je pensais avoir... une réponse possible à cette question, qui est une phrase d'un des plus grands philosophes français, qui s'appelle Jacques Derrida, au sujet des poèmes de René Char. Et il se trouve que Derrida parle justement de ça. Tu as le... Oui, je l'ai. On va l'entendre. Je l'ai. Alors, j'ai le témoignage de Méchonic, c'est ça ? Non, la phrase de Derrida sur, la phrase de Derrida, sur René Char. Je ne crois pas pour l'instant, et jusqu'à démonstration du contraire, qu'on puisse déceler à la lecture...
si je ne le déclare pas moi-même, que je suis un Français d'Algérie. De la nécessité de cette transformation vigilante, je garde sans doute une sorte de réflexe acquis. Je n'en suis pas fier, je n'en fais pas une doctrine, mais c'est ainsi, l'accent, quelque accent français que ce soit, et avant tout le fort accent méridional, me paraît incompatible avec la dignité intellectuelle d'une parole publique. Entre parenthèses, inadmissible, n'est-ce pas ? Je l'avoue. Incompatible a fortiori avec la vocation d'une parole poétique. Avoir entendu René Char, par exemple, lire lui-même ses aphorismes sentencieux avec un accent qui me parut à la fois comique et obscène, la trahison d'une vérité, cela n'a pas peu fait pour ruiner une admiration de jeunesse. Terrible, cette phrase. Mais il me semble, pour avoir suivi les cours de ce prof, qui était Derrida, et puis pour l'avoir entendu parler en anglais, qu'il y avait quelque chose d'absolument fascinant chez lui, c'est que quand il faisait un cours, au bout d'une vingtaine ou d'une trentaine de minutes, des accents d'Algérie revenaient. Et on les entendait. Et lui les entendait, justement. Et il en avait cette... Et en fait, il pensait avec cet accent. Et ce qui était le plus extraordinaire, c'est qu'il parlait un anglais, comme beaucoup de gens de sa génération, catastrophique du point de vue de l'accent. Il parlait un anglais magnifique du point de vue de la langue qu'il connaissait parfaitement. Et il avait presque plus enseigné en anglais qu'en français. Mais en revanche, dans son anglais, il y avait tout son accent. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, tout revenait parce qu'il parlait une langue étrangère. Et souvent, on dit d'ailleurs que la chose la plus difficile à apprendre pour quelqu'un qui n'est pas francophone de naissance ou qui ne parle pas une langue de naissance, c'est la prononciation des mots étrangers dans cette langue dans laquelle il a été formé. C'est la dernière chose qu'on arrive à... Je ne sais pas si Hans, tu confirmes cette expérience. C'est-à-dire, effectivement, la dernière chose qu'on n'arrive pas à maîtriser, c'est comment est-ce qu'on prononce ces foutus mots étrangers en langue française. Et c'est comme si, du coup, lui qui n'a pas arrêté de parler de l'étranger dans la langue et de la nécessité, justement, de placer l'autre dans la langue, lui dont le premier livre s'appelait, enfin, un des premiers livres s'appelait « La voix et le phénomène », qui, justement, travaillait autour de la voix, eh ben, il en était resté bloqué, là. Comment tu expliques, toi, ce blocage de gens comme Bourdieu et comme Derrida, en dehors de la norme ? J'arrive pas à croire qu'il n'y ait que la norme, justement. J'arrive pas à croire qu'il n'y ait que ça. Parce qu'on se disait tout à l'heure... Il faut écouter sur France Culture les enregistrements qui sont disponibles des cours du philosophe Gaston Bachelard, qui avait un accent extraordinaire, qui roulait les airs et qui dit des choses absolument fascinantes avec cet accent qui est l'accent que Colette, quand elle se fait interviewer, pratique également. C'est-à-dire qu'il y a eu très longtemps une culture de grands intellectuels ou de grands écrivains à accent. Avec accent, enfin, avec accent distingué. Moi, j'en ai marre de dire avec accent, d'ailleurs, comme tout le monde, comme l'accent. Et quand on entend, justement, les gens qui ont rectifié leur accent, ça rend encore plus sensible. Par exemple, les élisions, les coupures parisiennes, la suppression des voyelles, le final, tout, l'accentuation placée. Enfin, on voit le déplacement de l'accent parisien qui devient énorme. Est-ce qu'il n'y a que ça ? Est-ce que, du coup, l'accent ne serait pas un truc qui nous touche ? Tu dis tout à l'heure... que ça vient de chanter. Au fond, l'accent, c'est ce qui enchante la langue, qui l'a fait chanter. Mais est-ce que, justement, c'est pas ça aussi qui nous fait chanter, qui nous fait du chantage ? C'est-à-dire, c'est celui qui nous trahit. Oui, oui. Non, mais voilà, c'est ça. Il y a un peu de je pense que les gens qui transmettent, notamment dans les universités ou comme ça, ne peuvent pas se permettre d'avoir un accent, sauf M. Guylaine de Carcassonne, que je t'ai donné tout à l'heure. Parce qu'une dame qui m'a transmis un papier là-dessus, où elle a écrit tout un truc sur un monsieur qui s'appelait Jean Guylaine, qui était professeur spécialiste du néolithique, et qui était au Collège de France, et qui parlait encore avec l'accent de Carcassonne roulé, et tout le monde le regardait comme ça, en disant, il est au Collège de France avec un accent. Donc dès qu'on monte, on doit avoir un discours, je sais, si on a un accent, ça masque quelque chose, quoi. Donc les gens écoutent plus la façon dont c'est dit que ce qui est dit. Moi, je pense que c'est ça. Alors que je suis désolé, mais j'ai eu des expériences comme ça où j'ai écouté le monologue de Juliette dans Roméo et Juliette par une Africaine. J'ai tout compris, quoi. Ça m'a touché parce que justement, c'est ce qu'a fait comment il s'appelle, au Bouffe du Nord, Peter Brook. Peter Brook, ouais. Et de travailler avec des étrangers qui ont du mal à prononcer la langue. Et là, de ce coup, il y a le sens, pour moi, hein, peut-être pas pour d'autres, mais devient encore plus fort, quoi.
Oui, mais ça, alors, Jean Genet exigeait aussi des acteurs noirs pour le jouer. Il ne voulait pas que ce soit justement autre chose, des acteurs en l'occurrence maghrébins pour une autre pièce. Orson Welles, on ne le dit jamais, mais Orson Welles au Mercury Theatre, qui est son théâtre de New York, avait monté justement avec des acteurs noirs, des acteurs de Harlem. Et il exigeait justement que Shakespeare soit lu par ces acteurs de Harlem pour déplacer l'accent, pour le déterritorialiser et le mettre à Broadway, justement, pour faire que les gens entendent et entendent tout, comme tu le disais. Et on arrive, hélas, ça va à une vitesse folle. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça, justement? C'est-à-dire, quelqu'un qui avait un accent extraordinaire, le bonhomme dont on va parler, Jean Dubuffet, oui. Il était de Rouen, fils d'un marchand de pinard et marchand de pinard lui-même, et il avait un accent absolument fantastique, parce qu'il était passé de l'accent normand à l'accent parisien, et tous les enregistrements qu'on a de Dubuffet, quand il fait de la musique, qu'il improvise, oui, et tout, la musique chauve. De la musique chauve, ouais. Ouais. Et quand il faisait la musique chauve, il a un accent très, très travaillé. Enfin, lui, il a un accent comme ça, il aime bien... Alors j'ai découvert, en faisant ce projet, évidemment, on découvre plein de choses. Donc il y a des gens qui vous mettent sur des pistes. Et j'ai découvert ce petit texte magnifique de Jean Dubuffet, que je vais vous lire, avec le doigt. Parce que, en fait, pour lire ce truc-là, il faut faire avec le doigt, au début. Par exemple, vous voyez ce qui a marqué, ce n'est pas l'air de la campagne, c'est l'air de la campagne. C'est pas ? Donc l'air de la campagne, je vous lis la suite. C'est un petit livre qui existe, qui est magnifique. Il y a 3 poèmes dedans. Et ce petit livre s'appelle « Plus qu'il fait clair, moins qu'on y voit ». Voilà. Alors, l'air de la campagne. Ce qu'on appelle le paysage, ça veut dire la campagne. Il n'y a rien qui m'embête comme ça. La campagne, c'est plein de légumes, on dirait une soupe minestron. Les sarbes, ils ont des bras comme les gens. Ils ont des doigts, ils ont 3-4 jambes. Les nuages, ils ont des pattes, 5-6 pattes, il y a plein de terre partout, les feuilles qui tombent, ça refait de la terre, il y a plein de graines qui germent. Comment on fait pour enlever ce truc-là là, Nom de Dieu, non de Dieu. Ah, peut-être comme ça, voilà. Ah ben oui, mais du coup, je sors ça. Ah, nom de Dieu, mais la technique, s'il vous plaît, la technique. Ah, il faut que je mette pause, peut-être. Voilà, comme ça. Chut, stop. Les nuages, ils ont des pattes. Il y a des chemins, il y a des cailloux, il y a plein de bêtes, il y a des petites branches. Oh non. Et comment on fait? Ah voilà. Il y a des oiseaux dans l'arbre, ils font un raffut, ils bouffent les noisettes. Il y a un... Nom de Dieu. Alors attendez, là, je vais arrêter là. Ça, c'est syncope qui fait. C'est syncope, voilà. Range. Il y a des chemins, il y a des cailloux, il y a plein de bêtes, il y a des petites branches, il y a des plates-bandes, il y a des grillages, il y a des fils de fer, il y a des bouts de bois partout. Il y a des oiseaux dans l'arbre, ils font un raffut, ils bouffent les noisettes. Il y a un vent de chien, voilà l'hiver qui se taille et puis le beau temps qui va s'amène. On va aller aux champignons, on verra bien s'il n'y aura pas de papillons de chou. L'hiver, il n'y en a pas de papillons, il n'y a rien que des mythes. De la mythe, il y en a tout le temps. De la mouche, il n'y en a encore pas beaucoup. Des toiles d'araignée, on en a plein la gueule. Les gens, ils plantent des radis. Après, ils viennent voir si ça pousse. Là où tout y pousse mieux, c'est quand il tombe de l'eau. Les gens, ils foutent pas grand-chose. Ils se cassent pas la tête. Ils bricolent à droite. Ta gauche, ils vont à l'herbe aux lapins, ils cassent bien la croûte, les lapins. Les vaches aussi, elles n'arrêtent pas de bouffer et mâchouillent tout le temps. J'aurais dû mettre mon trench coat des fois qui tomberait de l'eau. Les hirondelles, on dirait qu'elles volent plutôt bas. C'est signe qu'il va flotter. Les gens, ils se font de la bile rapport aux limaces. Il y a des châtaignes par terre. Les gens, ils les ramassent pas. C'est pourtant pas mauvais. Il y a la vache qui regarde et tourne sa tête. Les poules et tournent pas la tête et tournent rien que l'œil. Une autre fois, j'emporterai des confettis pour les foutre aux poules. Je peux pas les blairer, les poules. Les sarbes, je pourrais leur balancer des serpentins. Les maisons, elles sont toutes pareilles. Elles ont des chapeaux pointus. Ça fait marrant, la cheminée et fume. On fait la soupe. Jean Dubuffet. Voilà. Alors, il nous reste très peu de temps.
La dernière question, justement, c'était celle aussi. Moi, je voudrais qu'on finisse un peu avec la musique. Oui. Et avec l'accent dans la musique, justement. Tu nous as parlé tout à l'heure de cet accent placé. Si tu veux bien, pour partir à la musique, on va repartir à la peinture, puisqu'on vient de parler de Jean Dubuffet. Jean Dubuffet avait une spécialité, il faisait des tableaux à ressemblance cuite. C'est-à-dire qu'il peignait ses copains, mais c'était une ressemblance cuite. Ce n'était pas une ressemblance crue. Donc, il fallait effectivement retrouver la ressemblance. Tu as découvert un truc sur l'accent vachement intéressant. C'est que justement, on parle d'accent en peinture. Et dis-nous ce que ça veut dire, l'accent en peinture. C'est une formule magnifique, c'est intensité locale. L'accent en peinture, c'est une intensité locale. Alors moi, je suis une intensité locale. Tu es une intensité locale. Mais c'est un ensemble, ça peut être un ensemble, une intensité locale. Et moi, ce que j'aime ça, c'est qu'une intensité locale peut se déplacer. Et c'est pour ça que l'accent, quand on m'a demandé de faire un travail sur Midi-Pyrénées, j'ai dit, ah là là, je voulais pas le réduire en territoire. C'est pour ça que j'ai choisi l'oiseau, hein, Charlie Parker, quoi. Dis-moi donc, Madame Mimi, et comment vous faites pour que les syllabes sortent sur les notes? Alors, tu parlais du scat tout à l'heure. Ce que je fais là, c'est pas du scat. C'est de la vocalise, comme l'appellent les Noirs américains. C'est-à-dire l'art de mettre des mots sur une musique préexistante. Donc ce que je chante là, ce que je viens de chanter, c'est un thème de Charlie Parker qui s'appelle Bloom Dido, dites-moi donc, Madame Mimi. Alors, Madame Mimi, Mimi, c'est Mimi Perrin, le double 6. Mais dites-moi donc, Madame Mimi, mais comment vous faites pour que les syllabes sonnent sur les notes? Comment vous faites? C'est chouette. Et dites-moi tout sec, moi aussi j'ai envie de scatter sur un petit thème de balai de bob, de balai de bob. Dites-moi donc, Madame Mimi, et comment vous faites pour que les syllabes sonnent sur les notes? Comment vous faites? C'est chouette. Et dites-moi tout sec, moi aussi j'ai envie de scatter sur un petit thème de balai de bob, de balai de bob. Impro. Toute la nuit je me suis creusé la tête pour trouver ces maudites paroles qui ne sont pas, 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 hein, pas du tout, tout, du tout, quand tout à coup un éclair de génie, pas de génie, me fout d'or, du lit planté dans mes chaussons, du pas plus, une plus pour immortaliser ses pensées. Oui, c'est ça, pas de concession. Laisse la plume agir et glisse sur le papier, sans trop penser, c'est bon, bon. Même si ce n'est pas folichon, car l'important c'est d'essayer de joindre bout à bout des mots qui s'en équivoquent dans notre, mais c'est pas évident. Alors vous voyez, pour chanter ça, obligé, alors moi j'ai toujours mon petit sac plastique parce que ça fait les balais de la batterie, mais je peux vous faire le pendant de ça. C'est, moi je suis un spécialiste de la valse pyrénéenne, hein. Je ne vais pas vous chanter Ainsi va la ville ici, parce que vous la connaissez, vous pouvez la trouver partout, mais par contre je peux vous chanter ce qui se trouve dans le dernier disque Intime and One Time. C'est le petit truc qui s'appelle... la composition, c'est de Marc Perron, s'appelle Quai de Vertu, et je l'ai appelé Le Verbier. Alors le verbier, c'est tout ce qui est dessous, le ver de terre. Vous savez que, comment il s'appelle, a étudié, il disait que 80% de la masse animale sur Terre, comme il s'appelle Darwin, à la fin de sa vie, a étudié les vers de terre, 80% de la masse animale sur Terre est sous terre, en fait. Elle est sous la terre. Et alors moi, je pensais au vers de terre, bien sûr, mais je pensais à la poésie. Je pensais à tout ce qui est dessous, quoi. Dessous une langue, ce qui est dessous qu'il faut aller chercher, qu'il faut creuser, quoi. Il faut aller le chercher, on ne vous le donne pas, ni à l'école, ni rien, très, très peu, quoi. Donc, il faut, dans la vie, il faut aller chercher. Alors, ça a donné un petit thème comme ça qui fait... Vers de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit vers solitaire, oui, il a belle vertu, histoire de nous faire de l'air sous la terre. Vers de belles vertus, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solidaires, vers de belles vertus, histoire de nous fertiliser la terre. Un vers moulu, deux vers miso, trois vers tigodi, vers de vin, deux vers de lui, trois vers d'elle, un vers luisant de nuit, un verri, verri, sentinelle. Des vers migrants, des vers micelles, des vers classiques, des lombriques, les pigés, l'endogés, l'anessique, des vers à pied libre de circuler comme l'air. Vers en veux-tu, vers en voilà, verre et tout vit, verre et tout va. Levez vos verres, au verre en vie, virez l'envers, livrez son bas. Vers de belles vertus, il travaille, c'est l'hiver en terre, un petit vers solitaire, oui, la belle vertu, histoire de nous fertiliser la terre. Vers de belles vertus, fait l'humus des traces de vie, des petits vers solitaires. Vers de belles vertus, histoire de nous faire de l'air sous la terre.
Un verre moulu, deux verres miso, trois verres tigodi, verre de vin, deux verres de lui, trois verres d'elle, un verre luisant de nuit, un verre verri sentinelle. Des verres migrants, des verres micelles, des verres classiques, des lombriques, les pigés, l'endogé, l'anessique, des verres à pied libre de circuler comme l'air. Verre en veux-tu, verre en voilà, pour d'un deuil et d'un. Verre et tout vie, verre et tout va, bon, 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 bon. Levez vos verres au verre en vie, bon, 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 bon. L'ivresse en bas, bon, nous, dun, 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 dun. Si vos vers sont versatiles, au vermis fugue, c'est que la vie s'est fait virer. Car si les vers n'y sont pas, il y a verticide en bas. Laissons la sa part au vers cultiver les verbiers, et la terre saura faire. Qu'est des vertus salutaires de nous, des locataires, terre en vers.